La chanteuse brille par son absence. Dans 27 jours, la Zara doit représenter la France à l'Eurovision 2023. Mais ce samedi 15 avril, elle ne s'est pas présentée à son concert à Amsterdam, qui devait marquer le coup d'envoi officiel de sa campagne, comme le rapporte notre confrère du Parisien ce dimanche 16 avril. La chanteuse explique avoir mis entre parenthèses sa promotion pour raisons personnelles. Sans surprise, la Zara n'ira pas ce soir chanter à Londres dans le troisième pré-show de l'Eurovision. La Française rentre à Paris. Sa promo prévue ces prochains jours est reportée, a écrit Benoît d'Aragon sur Twitter. Le journaliste du Parisien était à Amsterdam samedi 15 avril quand la nouvelle a été annoncée dans la salle de concert. Vers 23h, devant 5000 personnes, les organisateurs ont indiqué que la Zara ne se produirait pas pour interpréter évidemment le titre qu'elle doit présenter au concours. Un soupir de déception a traversé la foule, qui l'a placée parmi les 10 favorites pour la victoire finale, a-t-il noté dans son article. Elle préfère se reposer pour être en forme le jour J, a expliqué un porte-parole de France 2. Supérieur à Slimane, Kenji Girac. Ils ont refusé de participer à l'Eurovision pré-party à Londres. La chanteuse avait donné une série d'interviews samedi dans l'après-midi. Dans les colonnes du journal francilien, elle a notamment déclaré avoir perdu sa voix pendant 6 mois. Ça va mieux depuis seulement 3 semaines. Point, je ne vais pas mentir, j'ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d'autres fois que c'est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible, s'est-elle confiée. La chanteuse ne sera donc pas présente non plus à la pré-partie organisée à Londres ce dimanche 16 avril. Ce concert devait rassembler 15 artistes sur les 37 en compétition, avant le fameux concours qui se déroulera en mai prochain à Liverpool. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bac Gris du SA.